Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Ratchet & Clank 3 sur PS2 sur la chaîne, les gars. On s'était arrêté au dernier épisode. Je ne sais plus, alors on avait fait le jeu de Quark. Non, c'est pas par là. On avait fait le petit jeu de Quark, maintenant on doit aller à la prochaine destination qui est Obani ou quelque chose comme ça. Ah oui, j'ai acheté le sniper là à 62 500, quelque chose comme ça. J'avais 70 000, quelque chose comme ça. Donc je l'ai acheté parce que dans tous les cas on allait devoir l'acheter. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va garder nos... On va venir ici. On va garder nos boulons pour éventuellement une nouvelle armure qui va peut-être sortir bientôt. Ça m'étonnerait que cette armure qu'on a là c'est déjà la plus forte. Ça m'étonnerait à mon avis d'office une meilleure qui va arriver par la suite. Donc à mon avis son prix sera... C'est la dernière qu'on a acheté, était à 60 000. Son prix sera à mon avis à 100 000. Donc voilà, il nous faut de l'argent pour ça. Et aussi il nous faut de l'argent pour acheter le lance-roquette qui coûte 132 000 et des. Donc voilà, on est loin du compte encore, hein. Donc il nous faudrait encore plus ou moins 250 000 balles, quoi. Pour être sûr d'avoir la prochaine... Waouh, c'est quoi ça? Oh non, il faut utiliser le truc, là. Réfracteur, oh non, c'est de la merde. Oh, ça me rappelle le... Oh non, ça me rappelle le truc dans Ratchet & Clank 2, là. Où il fallait faire ça à un moment donné aussi. Le truc c'est que je dois lancer ça haut alors. C'est pas là? Ah ok, c'est ça. En gros je dois relier tous les satellites, c'est ça? Oh là là, ça va être chiant ça les gars, je vous le dis. Ça va être un peu chiant hein. Donc là c'est d'où on est arrivé, ok. Donc on va essayer de suivre le truc. Mais le truc c'est que la planète elle est ronde, donc en vrai ça va être chaud. Cassez-vous. Très bien. Alors on va en premier venir par ici. Dans tous les cas, je pense qu'on va bien tourner en rond dans ce truc parce que c'est... C'est comme ça qu'ils veulent que ça soit. Tu vois, là on est déjà derrière le vaisseau, tu vois. Donc c'est un truc de fou. Alors ici, on va sauter ici, on va voir ça nous mène où. Donc là, on vient par là. Il y a un bouclier ici. Non. Oh, je suis en bug total. Oh, je dois faire quelque chose pour désactiver le bouclier. Ça va me mener où? Ça va me mener là où il y a le bouclier. Donc ça sert à rien. Oh putain de merde. Oh, ça va être chiant les mecs. Hein. Je sais même pas par où aller ici, par où commencer. Des plateformes dans tous les sens. Pour l'instant j'ai fait quoi? J'ai réussi à activer qu'un truc quoi. Ici à quoi? Ok, là-bas je pense qu'il peut y avoir un deuxième. Je me demande il y a combien. Ok, ici ça va mener où ça? Je sais même pas, je vais où hein. Bah et du coup là je fais quoi? Pfff, je comprends rien. C'est bien beau de venir ici hein, mais ça m'a servi à rien du tout hein. Pfff, je suis perdu les mecs. Ça c'est quoi? Oh non, me dites pas en plus que je dois combiner des trucs. Et ça... Oh putain... Ouah, je pense que je dois activer ça et je dois me speeder. Mais je sais pas où, tu vois. Putain de merde. Ok, par ici à mon avis. Par là. Par là. Quoi? Ça servit strictement à rien. Mais ils veulent que j'aille où ici avec ça? Pouah les mecs. Ce truc il va être vraiment chiant. Oh là là.
On va aller là-bas, je pense au début il y avait un autre truc que j'ai pas fait. Enfin, j'aime vraiment pas ces trucs, hein, franchement. Par ici aussi, je pense qu'il y avait des trucs. Ouais, il y a ce truc là-bas, mais bon. Hein. Comment est-ce que je fais Peut-être que je suis les trucs. Peut-être par là. Oh, je sens qu'on va mettre du temps ici. Hein. Ah bah voilà. Ici y a un truc que j'ai pas fait. Ça va peut-être me libérer d'autres conneries là. Ok, là je dois viser haut avec ça. Ici, non. Voilà. Ok. Je suis en fait. Ah ok, il faut simplement que je suive le truc alors. Ok, ok, ok. Donc là je sais que je dois monter par là alors. Est-ce que ça, ça peut m'aider? Ouais. Ok, ouais. Ok. Donc là maintenant il faut que je suive alors la lumière. Ok, si c'est comme ça. Ça peut aller. Ok, lui il réfracte là-bas. Okay, donc maintenant du coup il faut que j'ai... Ok, donc en fait je dois pas faire dans le désordre en fait, je suis juste con. Faut que je fasse le truc dans l'ordre quoi. Donc, je pense que là je dois venir ici. Donc, on a perdu un temps fou. Mais c'est comme ça hein. On sait pas, quand on sait pas, on sait pas. Hein. Okay, donc c'est par là je pense. Même pas, si. Si c'est là, ok. Et puis là je dois ici. Bim. Et lui il me met là bas Le truc c'est comme ça tourne bizarrement. Là par contre je sais pas comment on va monter là hein. Wow, comment on va monter là? Ah bah tout comme... Non, je suis con. Ouais là-bas je sais pas comment on va faire pour monter hein. Parce que là-bas il y a le truc vert autour donc je pourrais pas y aller. Ça doit obligé servir à quelque chose hein. Obligé. Non, ça désactive même pas le truc vert, donc je sais pas. Ici à quoi? Je sais même plus du coup où il y a le truc que je dois aller. Je pense que c'est celui-là là. Mais c'est le dernier je pense où il faut aller. Mais le truc c'est qu'en attendant il faut que je... Il faut que j'arrive là-bas quoi. Attends. Ok. Ah voilà. Très bien. Mais bon putain c'était pas évident. Un réfracteur. Alors celui-là je dois le mettre où du coup? Par ici. Ah voilà. Mais je me demande c'est quoi le but de tout ça hein. Encore une fois donc, du coup là je peux atteindre ici. Quoi, on a dû faire tout ça pour aller là-bas? Mais enfin. Waouh, ils ont abusé là. J'ai 11 000, ça va rien regarder. C'était pas pour les petits boulons ici, on en a besoin. Bon, au moins on a réussi, c'est derrière nous.
J'espère qu'il n'y aura pas d'autres trucs comme ça dans le jeu. Parce que c'est assez chiant. Oh ouais, les ennemis là, putain. Je vais tout brûler, mon gars. Rien à foutre. Franchement, le lance-lave là, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Je pense que déjà niveau 1, il est vraiment pas mal. Alors niveau 2, à mon avis, putain, j'ai pas pris le truc, je suis con. La caisse jackpot te permet de multiplier. Ouais, on est au courant, ça. Tu nous l'as dit 40 fois. Putain, j'aurais dû la prendre avant. Je suis vraiment con. Ça nous mène où là? C'est un boulon. Mais le truc, c'est que par là, avec quoi? Non, j'essaie de trouver des trucs cachés là, mais non. Je pense que le chemin, c'était celui-là. Il faut arrêter les couilles. Et donc, si on arrive directement ici. Putain de merde. Des petites munitions. Ça fait plaisir. Ok, on va. Alors, qu'est-ce qui doit passer de niveau? Il y a tout qui est niveau 3, hein. À part à la tourelle. Ça se dure pas niveau 2 non plus. Donc je pense qu'il va falloir qu'on l'utilise un peu plus, ça aussi. J'ai lancé des tourelles aussi, putain, j'ai même pas vu. Ok. Oh non, pas lui! Hydrocracheur. Putain, je déteste. Oh, il est encore plus résistant! Mais what? Avant, il en fallait que 3 pour le tuer, maintenant il en faut 5. Wouah, mais ce truc, il est quel niveau là? Il est niveau 3 en plus! Putain. Bon, là, il va falloir que. Ok. Wow, voilà, niveau 2, c'est ça? Nickel. Oh là, maintenant il va faire encore plus mal. Cela, ça va pour les baisers, c'est assez simple. Ils sont assez lents pour tirer, donc. Enfin, leurs balles vont assez lentement. On va un peu faire le tour ici parce que. Il y a des trucs. J'ai déjà 46 PV, hein, c'est pas mal, franchement. Des petites mumunes. Ok. Par là qu'il faut que je vienne. Je vous ai vu, vous inquiétez pas. Wow, mes deux trucs qui sont faits défoncer par les. Oh non, pas lui. Quand il y en a que un limite, tu vois. T'arrives à le baiser. Mais avec quand ils sont 2-3, mon gars, c'est là, c'est la merde. Enfin, quoi qu'avec cette arme là, ça va encore parce que tu sais les toucher en les dents en même temps. Mais sinon c'est chiant. S'il y a rien, donc hop, et vous go par là. Prends direct. C'est quoi, lance grenade. Voilà, hop, je vous envoie valser direct. La caméra qui suit pas bien là. Oh, merde. Cassez-vous. Ah, franchement la lave là. Ça s'appelle comment? Pistolet à lave, franchement il est stylé. Je l'avais pas beaucoup utilisé dans le 2, je pense que je l'avais même pas acheté. Parce que je croyais que c'était de la merde, mais en vrai. Ouais ça va. Hein. En vrai ça va. Alors là. Lui c'est l'hydrocracheur direct mon gars. Casse-toi. Ok. Ça donne des boulons, hein, jamais oublié. Ok, ça. Waouh. Ah, il est là, ce kid. Oh,
C'est bon, Skid, le combat est fini. Cool. Cool. Désolé, mec. En fait, il était où ce connard, il se cachait. J'ai dû faire face à un fâcheux contretemps. Des troupes ennemies? Pas tout à fait, il y avait du monde. Quel couilleux, c'est un couilleux. Galaxy Burger, et j'avais grave la dalle, alors. Laisse béton, tonton. On dirait que cette dernière lune est entourée d'un champ de désintégration de classe Oméga. Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais c'est pas bon. Si au moins j'avais du matos, je pourrais pirater ce générateur et désactiver le champ. Bah ça tombe bien, les mecs. Regardez ça. Et attention, recule, man. J'assure comme un pro avec cet engin. C'est pas pour les fillettes. Oh non, il est foutu. Bon bah c'est pas grave. Un appel des Rangers Galactiques. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sergent, Blackwater City est attaqué. Oui. Blackwater City. La situation est extrêmement... Ça me dit quelque chose. Hein. On se fait galer. Oh, c'est... Sauf qu'il peut... Ça va être la merde, je le sens. Chef, demandons renfort d'urge. Oh, oh, oh. Je vais devoir annuler cette virée en overboard à Blackwater City. Les Rangers ont besoin de nous. On décolle. Moi, je vais vous rejoindre, les mecs. C'est que c'est un connard, lui. Ce truc. Ok, alors on dit que tu nous appelles dès qu'il y a du nouveau. Il va rester ici. Quel enculé. Donc en gros, ici, nous, on peut pas passer tant que... On doit faire les autres trucs avant. Ok, bon, on va se barrer, hein. Retour au vaisseau, il n'y a plus rien à faire ici. Ouais. On va faire le plein. Hop. Ça c'est bien hein, qu'ils ont mis cette option, qu'on puisse acheter toutes les munitions d'un coup. Parce que je me rappelle dans le 1, je pense que je devais acheter un par un, c'était chiant. Alors non, on va pas aller au Black... On va en premier venir ici. C'est dans la suite logique des choses. Et après on ira à Blackwater. Mais là-bas je sens, c'est le niveau qu'on a passé autrefois il était tout compliqué. On a galéré, alors celui-là je pense que ça va être la merde. Hein. Des ennemis dans tous les sens, des trucs armés partout. Je le sens mal. Studio Holostar, très bien. Victor, activez le système furtif. À vos ordres, chef. Quoi? Pourquoi il a cette tenue? Oh, le trou. Il joue au chauffeur, le mec. Coupez, coupez, on arrête. J'en ai vraiment marre que tu gâches tout, petit. Trouve-toi un autre boulot. T'es viré. Va me chercher le sac. Ils m'ont viré. On se retrouve à la première, Clank. Agent Clank, voici ton nouveau partenaire. Ok, on oublie la poursuite et on enchaîne direct avec le final. Tu as bien lu le script jusqu'au bout. Bon, d'abord, tu échappes de justesse à une série de pièges mortels. Là, tu bats la terreur de Talos. Voilà. Enfin, tu sauves la baronne, interprétée par la ravissante Courtney Gears. Ok. Ah, ce serait une mission en fait. Action. Ok, dans cette scène, ce sera genre une mission. Et tu fonces à la poursuite de Maximilian. Essaie d'être crédible, ok? Action! Putain de merde. Ouais, j'ai 4 PV. Fonce dans le bureau de Maximilian avant qu'il ne s'échappe. Maximilian. Il doit faire quoi ici? Ok, Clank est assez basque. Maximilian essaie de le semer dans les embouteillages. Super, j'adore les courses poursuites. C'est un peu mort du cul, j'ai l'impression. Ok, tu t'en sens bien, petit. Évite les lasers et retrouve le singe sur le parking du casino. Oui. T'inquiète, gros, je suis là. Allez, barre-toi. Ouais. Ça, j'ai plus que 2 PV. L'agent Clank et le singe doivent oublier leurs différends et s'allier pour atteindre la corniche. Je veux en avoir les larmes. J'ai compris, t'inquiète, mon gars. Vas-y. La petite musique et tout. Bon, là, je dois jeter, je pense, un truc ici, bien entendu. Je vais faire monter. Ah, il fait... ah, c'est des poteaux. Oh, c'est stylé, c'est dans des petites valises et tout. Petite mallette. Ferait l'agent Clank pour traverser. Hop, il ferait comme ça, mon gars. Il est où le singe? Mais il se fout de ma gueule ou quoi, ce putain de singe?
Il est resté en bas? Mais quel fils de... Vas-y, viens par là. Espèce de con. Là. Mais non! Mais il est tout imbécile. Mec, voilà. Putain de merde. Vas-y. Vas-y, va là-bas. Je veux de l'émotion. Eh bien voilà. Mes potes, ils vont crever, non? Bah oui. Oh non, j'allais tous les récupérer maintenant. Ah non, c'est entrer. Entrer là-dedans. Rentrer là-dedans, voilà. Par contre, j'ai presque plus de PV. Faut pas que je me fasse toucher là. Continue, Plank. Il peut pas passer, ce con. Mais what? Ok, tout le monde, on y est. Le grand final. Le clan géant contre la terreur de Talos. Ne fous pas tout en l'air, gamin. Action! Merde, ça va être tout chaud, ça. C'est exactement ça que je veux. Yo, ce connard. Putain, je me rappelle, dans le 2, il y avait un boss avec lui. Je pense que j'avais mis une heure à le battre, tellement c'était chaud. Putain de merde. Wow, ça va pas être facile hein. Je perds blindé de PV là. Yo le mec. On va pas récupérer des PV comme dans l'autre là quand tu pètes les immeubles ou quoi. Putain, t'as des canons ici, t'as des tanks et tout. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est moins tranquille, bordel. Ils ont tout pété, mon gars. Putain de merde. Il est où le géant? Putain de ninja de merde. C'est où? Je vais bien baiser quoi, hein, parce que j'ai presque plus de PV. Enfin, j'ai la moitié de mes PV qui sont partis. Je dois encore en battre 2. Putain, je viens de voir qu'en fait il y avait un nombre à battre. Encore? Ah non, il est là. Mais mec, vise-le! Putain, ça va être chaud, hein. C'est ça, Clank! Continue! Pas de pile de... Putain... Ah, je suis sûr... Sur à coup sûr, je vais pas réussir. Hein. Ah si, peut-être que si. Oh. Vas-y, tu es presque gros. Pas la merde. Yes. Non. Non. Ah, il est mort là, pas déconner. Voilà. Non. Mais enfin. Voilà, crève, connard. C'est bon, on live premier coup finalement. Une journée comme les autres. Coupez!
Il fait trop gars. Dans la boîte, mes loulous. Tu vas faire exploser le box-office, Clank. Même les critiques vont adorer. Oh, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait d'être sauvé par un grand gaillard en alliage de titane comme vous. Et si vous me disiez ce que prépare le docteur Nefarious? J'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas le lui demander vous-même? J'ai un cadeau pour toi, mon gros canard laqué. Oh, quel en... quel pute! Ne m'appelle plus jamais comme ça! Amène-moi l'agent, Clank! D'accord, chérie. Où oh la pute! Elle nous a baisé, les gars. Quelqu'un m'entend? Je dois être... Agent Clank, je suis honoré de faire enfin votre connaissance. J'ai suivi votre évolution depuis votre toute première mission, quand vous avez vaincu les morveaux monstres voleurs d'âmes de la dimension X. Je crois qu'il va falloir qu'on aille le sauver. L'agent secret Clank n'est qu'un rôle que j'interprète sur Holo. Mensonge ! Mensonge ! Winston, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Tu es le fils de l'oncle de mon cousin. Tiens, il bug encore. Vous êtes un héros pour tous les robots de la galaxie. Et vous refusez d'assumer votre destinée. Vous préférez plutôt lécher les pieds des bouseuses organiques. N'avez-vous plus aucune dignité, agent Clank? Les formes de vie organiques ont autant le droit d'habiter cette galaxie que nous. Je ne vois aucune raison d'écouter une raison valable. Cet enfoiré, il veut... Et ensemble, nous il veut laisser juste les robots. Galaxie des robots. Si vous refusez, vous continuerez de trahir les vôtres. Et vous suivrez alors vos bouseux adorés, jusque dans les méandres de l'oubli. Aïe, 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 aïe. À mon avis, revenir à la caravane de Clank. Je comprends pas, Clank aurait déjà dû revenir. Pourquoi il met autant de temps? C'est quoi ce bordel? Bon, dans tous les cas, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que... On a déjà plus de... Putain, mais c'est quoi ça? Il est tout fort, le mec! Comment est-ce qu'on va le baiser, lui? On a encore des nouveaux ennemis. Oh, il a l'air tout fort. Regardez, il m'a enlevé plus de 20 PV. Bon, on va s'arrêter ici, les gars, pour cet épisode. On est déjà, je pense, plus ou moins à 30 minutes. Est déjà correct, mais ouais, ok. Donc, on va aller devoir délivrer Clank maintenant. Attendez, je prends juste tous ces petits boulons là. On est déjà 40 000. Wow, putain, on est monté vite là. Et en sachant qu'il me reste encore pas mal de cristaux à prendre dans le truc, dans la grotte, et encore pas mal de missions dans l'opération de destruction là, à faire. Donc, ça nous fait encore pas mal de boulons, mais bon, dans les missions dans l'autre là. Où tu peux gagner des boulons, c'est quand même compliqué. Hein. Là, je suis arrivé déjà à un stade, je pense que j'ai fait toutes les plus faciles. Et il reste que les plus durs maintenant. Donc c'est la merde. Donc voilà. Merci à tous, c'était les gars, ça fait.